Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo les amis, je vais te présenter ma nouvelle voiture. Parce que ça fait plus d'un mois que j'ai pas été là. Du coup, il serait temps de vous présenter la nouvelle voiture. Il y a des personnes qui m'ont croisé avec. Mais là aujourd'hui, je la présente à tout le monde. C'est parti. Ah merde, excuse-moi, je me suis trompé. On fait la mise à jour, c'est parti. Donc les amis, comme vous l'aurez compris, c'est une Audi S3 8V par contre, contrairement à celle que j'ai encore. Celle que j'ai, c'est une 8P et la nouvelle, c'est une 8V. C'est la 2014 en boîte S-tronique parce que je voulais passer sur une boîte automatique. Je voulais, en vérité, je voulais pas trop changer de voiture, mais je voulais en vrai garder la même voiture. Mais en automatique, je voulais pas reprendre une S3, revendre l'autre, prendre une S3, la même et en automatique. Du coup, bah, j'ai préféré prendre entre guillemets une version dessus en 8V, en boîte automatique. Du coup, les avantages que j'ai, bah, c'est que j'ai déjà 300 chevaux d'origine. J'ai la boîte S-tronique. J'ai pris du coup plus d'options et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme tu peux le voir, là, elle a encore les jantes d'origine. Elle est montée en Michelin Pilote Sport 4. En 18 pouces, pareil. Par contre, le freinage, il est vraiment mordant. C'est un meilleur freinage que sur l'autre S3. Parce que l'autre S3, en vrai, c'est une catastrophe au niveau du freinage. Là, pareil, tu as reconnu, on a toujours l'alu brossé ici, là. Par contre, là, j'ai pas encore teinté les vitres avant, mais on passera très bientôt chez 2M Motores. Là, j'ai le toit ouvrant. Tac, là, j'ai le toit ouvrant que j'avais pas avant. Vite teinté à l'arrière. Du coup, j'ai pris une 5 portes en sportback parce qu'il me faut une 5 portes. À l'arrière, c'est tout simplement magnifique. C'est l'arrière que je voulais, c'est ce cul-là, ce boule, tu vois, avec les 4 trous ici, les quatre sorties d'échappement. Franchement, je trouve ça magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en vrai, je trouve la voiture, elle est magnifique. Elle a vraiment le look qu'il faut, tu vois. Du coup, là, j'ai les feux. Là, ils sont pas dynamiques, les feux. Je vais te montrer un peu comment ils sont. Voilà, il clignote comme ça. Peut-être à l'avenir on passera sur autre chose, on verra. Qu'est-ce que j'ai en plus? Bah les sièges baquets. Hop, je te montre directement à l'intérieur. Hop, là, t'as les sièges baquets comme ça. Siglé S3 ici. On a le machin gonflable. Quand tu veux gonfler le dos ou déplacer le machin. Du coup, je te montre ici, boîte S-tronique, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Les palettes au volant. Parce que pour moi, une S3 automatique, c'est forcément palette au volant. On n'a pas de version Wii chez nous. Il faut de la qualité, comme Audi sait faire. Ce que je pense faire à l'avenir sur cette voiture, en réalité, les amis, je pense qu'en vrai, je vais faire beaucoup moins de choses mécaniques, mais beaucoup plus d'esthétique. Parce que bah, déjà de base, sur cette chaîne, j'ai commencé avec une Clio, comme vous le savez. Aujourd'hui, je suis en S3. Mais j'ai commencé avec une Clio et je me suis autant misé sur ma Clio que sur l'autre S3. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que j'ai fait que les trucs esthétiques. Et c'est ce que j'aime faire. Et je pense que sur cette S3, je vais rester sur la même base que sur l'esthétique.
c'est-à-dire que peut-être passer en calandre, soit en nid d'abeille, soit passer ça en noir. Logo en noir, évidemment, ça c'est la base, il n'y a même plus à dire. Feu teinté, à voir comment je vais teinter les feux. Peut-être une petite lame ici. Peut-être que je mettrai une petite lame ici. T'as vu mes lèvres là? Enfin bref, l'étrier il passera en rouge, c'est obligatoire. Avec un petit S ici, à voir si je mets un S ou si je mets Audi Sport ou je sais pas. Les jantes, je sais pas si je vais les garder. Elles sont très très belles en vrai. C'est soit je les passe en noir ou soit je les garde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement, les jantes là d'origine, elles sont quand même très 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 belles. Faut pas négliger. Bon après, les feux là en vrai, ces feux dynamiques là, on les voit pas du tout. Le jour, on les voit pas du tout. Je vais essayer de te montrer pour voir ce que ça donne. Mais en vrai, on voit rien du tout. Voilà, t'as vu, on voit rien. Peut-être passer la coque ici en carbone. À voir, qu'est-ce que je vais faire de plus? Bah, feu teinté à l'arrière, ça c'est obligé. Vite teinté à l'avant. Bah, logo ici, lui, il va virer, le chrome il va virer. En fait, on va faire un déchromage, tout simplement. On va faire un déchromage. Parce que le chrome, je déteste ça. Logo noir à l'arrière. Et puis à l'intérieur, je vais te montrer. À l'intérieur, du coup, ici, bah, c'est du plastique. Là, tu as du plastique moussé. Tu as de l'alcantara juste ici, là. Tu as de l'alcantara ici. Par contre, j'ai pas l'option Bang & Olufsen, je sais pas comment on dit. J'ai pas ça. Bon, en vrai, le son Audi de base, il est très, très bien. Il n'y a pas vraiment nécessité d'avoir absolument ça. Sachant que à l'arrière, hop, je te montre. Mais à l'arrière, bon, là, j'ai déjà mes produits, tu as vu. Hop, sachant que à l'arrière, tu as un caisson. Donc voilà. Hop. Du coup, je disais. Hop là. Palette volant, la base. Je pense que je rajouterai des palettes ici. Parce qu'en vrai, c'est super court. J'ai eu des potes, enfin, j'ai eu des gens qui ont testé la voiture, la famille et des potes. Et à chaque fois, en fait, ils se trompent avec l'essuie-glace. Et du coup, bah, il s'amuse à mettre les essuie-glaces et je comprenais pas. Mais en fait, les palettes ici, c'est assez court. Du coup, je pense que je vais faire un rajout de palettes. Je vais peut-être changer toute la console centrale ici. Je vais peut-être la passer en carbone. Je vais voir. Parce qu'en vrai, c'est beau, mais c'est trop sobre. Je sais pas comment vous expliquer. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Peut-être à l'intérieur ici, mettre les petits bouts en rouge. Je pense que vous avez déjà vu ça partout. Tout le monde le fait. J'ai pas envie de passer juste ça en rouge parce que ça fait un peu bizarre. Je préfère passer tout ce qui est intérieur là en rouge. Et je pense que là après on sera bon. Tac tac tac. Après franchement on sera bon parce que la voiture en elle-même elle est déjà très 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 belle. Il n'y a pas grand chose à modifier. Côté mécanique. Après côté mécanique, je pense que je ne ferai pas de stage 2. J'ai dit je pense parce que je ne veux rien dire. Je pense que je ferai juste un stage 1. Un stage 1 serait déjà suffisant. Évidemment en stage pour la boîte. Parce que du coup, c'est une boîte S-tronic, comme tu l'as compris. Et un stage moteur, un stage 1. Et je la passerai peut-être à l'éthanol. Sinon, ce sera tout, je pense, pour cette voiture. Parce que ça sera mon daily et je ne serai pas seul à conduire la voiture. Donc, je vais éviter de faire des prépas comme j'ai fait sur l'autre S3. Qui était d'ailleurs bien préparée. D'ailleurs, elle marche super bien. Elle marche bien fort, comme il faut. Je vais supprimer l'intermédiaire parce que la voiture c'est un aspirateur Dyson, c'est un truc de ouf. J'entends rien, même quand tu accélères en mode dynamique, t'as l'impression d'être à l'arrêt. C'est un truc de ouf. L'autre S3 quand je la démarre, laisse tomber, c'est un autre monde. Alors que ça, c'est pour les mamans quoi. Enfin voilà, attends, je vais démarrer la voiture, je vais vite comprendre. Bon, on va te faire écouter ça. On est déjà en mode dynamique. Hein. Donc voilà mon ami, tu as bien vu que la voiture fait zéro bruit, c'est un aspirateur Dyson. Donc on va essayer de remédier à ça, pas de décata c'est sûr, encore à la rigueur un catasport, mais pas de décata là-dessus. Je dis ça mais voilà, je pense rester sur un catasport au maximum, pas de décata. Supprimer l'intermédiaire ça c'est un truc obligatoire, parce que sinon bah, je vais m'ennuyer.
Parce que avoir une S3 comme moi j'ai, l'autre S3 la 8P, et avoir un truc comme ça qui fait aucun bruit, mais c'est pas possible quoi. Enfin bref. Donc voilà les amis, j'espère que la voiture vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était pas vraiment une voiture pour entre guillemets upgrade. C'était plus une voiture pour être plus tranquille. Parce que même esthétiquement en vrai elle est très très belle. Elle est beaucoup plus belle que bah, l'autre S3. Après bon c'est les goûts des couleurs. Hein, parce que l'autre S3 j'aurais pas pris. Enfin j'aurais pas pris l'autre voiture si j'avais pas la voiture. Et évidemment j'aime vraiment la voiture. Mais là c'était vraiment pour faire entre guillemets la mise à jour. Mais voilà. Attendez, j'ai la petite boule en fait. Là, j'ai la petite boule. Bon, en vrai, elle m'énerve parce que à chaque fois que t'es près des gens, bah, elle te met des coups de frein. Comme si c'était la fête. Mais voilà. Donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de ce petit look. Oh là là, 8 3 quarts comme ça, c'est une dinguerie. Quand elle va être finie, ça va être une dinguerie. Bon après là elle brille pas vraiment, en vrai de vrai elle est violette. Bon là tu verras pas vraiment, mais en vrai de vrai elle est pas noire. C'est un noir violet en fait. Là, je sais pas si tu arrives à voir quelques reflets, mais en vrai c'est un noir violet. Mais de toute façon je vous mettrai des photos sur Instagram. Donc si tu veux me suivre sur Instagram, bah mon Instagram s'affiche là. Juste là. Tu peux m'ajouter et puis bah liker les photos, parler avec moi si tu as envie de me poser quelques questions. Et puis bah voilà quoi. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai pas été trop long sur l'explication de la voiture, etc. De toute façon, je prends cette voiture. Les rageux qui seront pas contents parce qu'entre guillemets j'ai pris une S3, bah attends. Et puis bah à la prochaine, prenez soin de vous sur la route. Allez, peace.